Salut les gens, c'est Slan, la partie est sur le point de se terminer sur Humankind et je suis avant-dernier, malheureusement, mais la course au score n'est pas finie et tant qu'aucune condition de victoire ne vient interrompre la partie, il est toujours possible de remonter, d'autant plus que ceux qui sont en tête actuellement vont avoir de plus en plus de mal à cumuler les étoiles et les points. Ce qui sera probablement pas mon cas, mais je le sens quand même très mal. Je rappelle que dès qu'ils atteindront 7 étoiles, je crois que la partie sera terminée. Ça risque de piquer, c'est 7 ou c'est 21 étoiles qu'il faut? Malheureusement, je ne m'en souviens plus. Ce que je sais, c'est que c'est bientôt fini. Alors, le tour, on n'avait plus rien à faire. Donc, toi, t'es bien mignon. Mais, tu vas revenir ici. On n'a toujours pas ce qu'il faut pour naviguer. Ça pique un peu. Mais en attendant, on a fini notre guerre là-bas. Et on va aller se préparer probablement pour une dernière guerre sur Kerma. On a 7 villes sur 7. On a rattaché quasiment tout ce que l'on avait à rattacher. Sauf là, effectivement, il faut qu'on aille le détruire celui-là. Hop là, on va aller détruire cette ville. Bon, lui, de toute façon, s'il sort pas de chez nous, il va mourir tout seul. C'est pas la peine de l'embêter. Voilà. Ici, on a quoi comme troupes, hein? Est-ce que j'ai oublié des troupes quelque part? D'accord, donc cette troupe-là ne figure même pas dedans parce que c'est un bateau. Formidable. Alors ici, pour le rattacher, il nous faudrait la bagatelle de GAC. On va maintenant se diriger ici. Oh, il n'y a rien qui était en construction. Marché flottant. Comme d'habitude. C'est bugué, hein. Selon moi, c'est bugué. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on va... Qui est-ce qui va absorber ça? C'est probablement elle, hein. C'est Bibract. Hein. On est à fond sur la nourriture pour augmenter. Ouais, ça ne se construit pas très très vite tout ça. Hein. C'est pas. Mais pourquoi j'ai plus rien en construction moi? Il y a dû y avoir un bug entre deux tours parce que c'est quand même pas. Possible que j'ai fait le choix de ne plus rien construire. Ah bah ici là-bas, faut aller détruire la ville pour pouvoir rattacher à Babylone. Et puis bah là aussi, faut aller détruire la ville pour rattacher à Babylone. Dis donc. Voilà. On va quand même faire un petit tour parce que là ça m'inquiète un peu. Le truc c'est que j'ai 3 villes à détruire. Bah oui. Est-ce que ça vaut le coup? Non, on va pas les détruire, on va pas les détruire. On va voir si on peut les étendre d'abord. Quoi qu'il en soit, on va d'abord... Parce que celle-là, elle a des trucs en dessous, hein. On devrait pouvoir étendre. Ça, c'est des cérémonies publiques, arrête ton char. On n'en a clairement pas besoin.
Après, c'est compliqué de faire vivre des villes avec trois fois rien. Hop là. Ok, et celle-là par contre. Le problème c'est que je vois pas de truc voisin. Donc c'est pas sûr qu'elle soit ajustable. Après, elle a déjà 15 constructions terminées, quoi. Donc on va la continuer. Elle a pas de rivière. N'a pas de garnison. Ça va être compliqué. Il est toujours en pleine mutinerie. Donc du coup, on va arrêter celui-là. Et celui-là va devenir un explorateur. Ouais. Allez, zou. Par contre, celle-là, je la détruis. Voilà. Tendu, tendu, tendu. Reviens, toi, tu vas aller t'occuper de ça. Les tours sont un petit peu longs. Pourtant, j'ai pas un PC de merde. Et on n'a pas de cuivre, c'est sérieux. On n'a pas de cuivre. Ici. Évidemment, encore ce bâtiment. Ah, j'ai hâte d'être débarrassé de ce bâtiment-là. Passe ma vie à chercher si je peux le faire et où je peux le faire. Allez, zou. Plus 10% de science. Plus d'instabilité par chercheur, c'est pas utile. Ouais, on va faire ça dans ce sens-là. Truc de fou de pas avoir de cuivre. Ici, ici. Comment je vais faire pour m'agrandir? As feudal structures prove practical for both farming and warfare, certain. Alors, la chevalerie.
Ça va permettre d'upgrader mes éléphants, peut-être. Moi, ce que j'aimerais, c'est de la recherche. Là, maintenant, au point où j'en suis. Le centre des impôts est pas mauvais. La recherche, la banque. Ça aussi, c'est pas mal, ça. Ouais, bah voilà, on va faire ça dans ce temps-là. Bon, toi, je sais que tu dois détruire une ville, mais visiblement, tu vas commencer par débarrasser de ça. Et donc, du coup, toi, tu vas là-bas. Alors, traité. Greetings. You have need of me? Un petit peu de cuivre, ça me ferait le plus grand bien. Well, well. Another empire has certainly left a mark on the world. Rejeter le luxe, bah super, et je prends quoi moi? Bah je peux rien prendre. Donc j'ai tout intérêt à changer de religion. Alors, polythéisme. Le chamanisme. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, le polythéisme des Assyriens. Je sais pas comment changer de religion. J'ai jamais vu comment changer de religion. C'est dur d'être faible. Super. Oui, mais comment je fais? C'est nul ce wiki. Ah là 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 là, quand on sait pas un truc, on peut toujours faire F1 pour voir. Ah bah voilà. Changer de religion. D'accord. C'est pas vrai, ça. C'est pas changer de religion. Ah là là. Ici. Un truc d'osmose. Oui, bah. Attends, non. C'est fini? La partie va se finir sur un bug? Il y a un truc du gameplay qui m'oblige à prendre des événements. Les actions obligatoires vous empêchent de terminer votre tour.
Oui, j'ai compris, mais je ne peux pas. Je peux vraiment sortir en faisant ça. This certainly has the advantage of clarity. How free can you be? If you don't dare to leave the house at night. Ça y est, m'en suis sorti en faisant ça. Mais c'est super con parce que... En terminant le premier test nucléaire de l'histoire, les Égyptiens sont devenus la mort. Ça craint quand même. To what do I owe the pleasure? Sérieux? On n'a même pas eu le temps de se reposer deux secondes. Bon ben, j'arrive. C'est eux qui ont déclaré la guerre, hein, donc... C'est à lui de la gagner, hein. Ok. Bon, le problème c'est que je peux pas upgrader mes unités qui sont déjà mauvaises. Donc merci de switcher sur ce qui va nous permettre éventuellement. Faire des troupes. Ouais, bah c'est pas gagné. Hein. J'y crois pas du tout là. Encore moins comme ça. Ça fait quoi ça? Ouais, pas important. Voilà. Bon. Paf. 51, c'est quand même pas mal. Are you wine or are you vinegar? Alors, ils ont des doléances, mais qu'une seule exigence. On va rien dire à eux, hein. On leur dit rien, on répond rien, on laisse faire. Hein. On fait les tout mous. Hein. Ça c'est super que tu amènes une troupe. Bah toi, tu vas devenir un explorateur. Et on viendra voir si tu tournes pas en rond au bout de quelques... Non, tu vas pas devenir un explorateur. Tu vas aller faire ce qu'on attend de toi, c'est-à-dire détruire cette ville. Un jour.
Ah, je suis un peu déçu pour la religion de ne pas pouvoir avoir pu switcher, quoi. Et que ça me coince dans mon tour, quoi. Ça, c'est assez violent, quand même. Peux pas juste rester comme ça. Pourquoi tu construis rien, toi? T'es à 100% construit des quartiers. Quartier scientifique, on pourrait le faire là, peut-être. Faudrait un endroit de 6, ce serait pas mal ça. Ça serait pas mal. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Comment il peut être aussi fort? Avec une seule unité. Ah, c'est ça là-haut? Qui soutient? Là, ça peut plus soutenir. Résolution instantanée. T'es trop bizarre comme mec. Non, vraiment, vraiment bizarre, bizarre. Hein. Et t'as enlevé tes bateaux qui protégeaient ta capitale. T'es plus que bizarre. C'est parce que t'as repéré un truc qui naviguait, c'est ça? Et t'es parti le chercher. Oui, c'est vrai que les IA ont pas de brouillard de guerre. Hein. Ils voient toute la map. Ça fait longtemps qu'on l'a remarqué, ça. C'est complètement cheaté, mais c'est comme ça. Et c'est à tous les niveaux de difficulté. On a remarqué, Amplitude, que vous aviez pas mis les brouillards de guerre sur les IA. Et on a 3 étoiles en cours de construction. On n'est pas loin. On a de l'espoir. On peut y croire. On pourrait déjà passer 8e. Et non, c'est pas 7 étoiles pour la victoire. Donc, c'est pas la victoire pour l'instant. On va tenir. On va remonter. J'en sais rien. Je la jouerai autrement, hein, si, évidemment, c'était ma première tentative. Je suis très, 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 très à la ramasse. Hein. With 30 research Mais je la jouerai autrement, sinon. I think we can safely say that the library of Déjà, Alexandria aucune bataille en automatique au départ. On me l'a reproché et vous aviez raison. Parce que même si c'est 3 vies de moins, 3%, 3 pixels, ben, ça peut jouer à la longue. Ou ça peut ne pas avoir joué. Je ne sais pas. Hein. Compliqué à dire. Alors, en fait, sur Babylone, abondance. Sur production, sur cette cible, bien sûr. Bien sûr qu'on va surproduire. Ici, tu vois. T'es toujours bon. Tu fais ce que tu peux, Babylone. Fait des quartiers scientifiques. Voilà, on est en train de mettre au point évidemment un. Ah, attendez, parce que non, ça c'est pas bon ça. Il y en a un qui est pas bien là. Voilà. C'est ici qu'il faut les mettre les autres. Non, non. Faut tourner les uns autour des autres. Là, on se disperse trop si on va là-bas. Ça c'est plus important, c'est pour faire des unités moins chères donc plus rapides. Ça c'est moins important. Ça l'est. Ça c'est moins. Attends, qu'est-ce que je vois là? Non, c'est pas ce que je veux voir. La bouffe en premier.
Voilà, ici. Ok, on n'a toujours pas de quartier spécial à faire, si. Voilà, il continue à me le proposer, mais on peut pas le poser. Ok. Voilà. Bon. Zou. Quoi, c'est quoi la blague? Pourquoi je pourrais pas aller là? Ah, la ville est déjà là. A permanent settlement on another continent. Quite the globe-spanning imperialist you've become. Mais c'est n'importe quoi, c'est le même continent. Et j'ai perdu plein de troupes, mais c'est pas grave, hein, il était temps de se rafraîchir un peu. Et de toute façon, ils ont rien d'autre. Ils arriveront pas à temps avec leurs bateaux. C'était pas une bonne idée de faire des bateaux, gars. The snake approaches. Aïe aïe aïe, absence de capital, stabilité basse, proximité en tant que pour avoir déclaré la guerre. Bon bah. On va dire que c'est bientôt fini quand même. Hein. Bien, mais il faut faire une nouvelle troupe maintenant du coup. Donc je pense que. Les éléphants, c'est pas mal. Faudra en faire 3 de plus. Je ferai quoi? Du 4-3 peut-être. Hein. Donc là, il serait parfait lui. Il serait parfait pour aller là. Lui, il faut qu'il aille piller ça. Clairement. Given 30 research quarters, I'm not sure if this should be called the city of science or the den of geeks. Et là, on est en train de faire des éléphants. Et on a dit qu'on faisait aussi un truc. Ah oui, oui, bien sûr, on va faire un truc. Donc on fait les 3 éléphants pour lui et les 3 tireurs pour lui. Voilà. Sauf que j'ai déjà un tireur d'avance. On se retrouve pour l'instant qu'avec 2 troupes, hein. C'est hyper faible bien entendu. Quoi? Ah non, ça c'est dégueu, ça, écoutez. Non, mais ça c'est vraiment de la merde. Hein. Et alors comment? Comment occuper une capitale peut pas donner assez de points pour l'occuper une ville? Mais il y a moyen de faire. Non mais sérieux quoi, non non. Ah le jeu, j'adore le jeu, mais à des niveaux de difficulté élevés, et je confirme que je joue mal puisque je m'en sors pas bien, mais on se rend quand même compte de certaines défaillances du jeu sur le wiki. Sur le fait que je puisse pas changer de religion. Alors, je suis pas acerbe du tout, hein. J'aime beaucoup le jeu. Mais je crois vraiment qu'il va falloir un patch pour corriger des trucs qui sont aberrants dans le jeu. Et encore une fois, encore un jeu qui aurait tellement eu besoin d'être un tout petit peu plus bêta-testé, quoi. Parce que ça, moi, je vous l'aurais dit, hein. Vous m'auriez laissé le jeu bien avant, je vous aurais dit ça. C'est pas quelque chose qui passe inaperçu, quand même, le fait que... Bah, tu gagnes la guerre, t'as tout pris, et t'as le droit à rien. Super, j'ai le droit à même pas ce que je produis par tour. C'est même pas... J'ai même pas un tour de production.
Donc non. Allez, go. On a ici beaucoup trop de d'espace. Il faut construire plus. Donc là, je fais 13 par tour ici. Donc évidemment, pour construire plus, il faudra passer là-dessus. Là, je fais 9 par tour là-dessus et 8 par tour là-dessus. Donc, ceci dit, la nourriture, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Visiblement, on est meilleur pour la recherche. Donc, on va produire avec de la recherche. Et dans le but d'upgrader nos capacités de recherche. Je sais, c'est un peu bizarre, mais... Je suis pas très content de la dernière guerre, quand même. Allez! Voilà! Je suis plus avant-dernier. C'est le début de la victoire. Un arquebusier. Donc on est d'accord que tu me montres aucun emplacement. Parfait. Ah ouais, non mais là c'est... Le mec en plus c'est lui qui attaque quoi. Donc il y a quand même un moment où on peut s'en sortir. Voilà, hop. Voilà. Je suis pas sûr pour celui-là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement, plus 1 ici, quoi. Il y a du commerce avec les Italiens. J'en suis ravi. Je suis vraiment ravi de l'apprendre. Il faudra quand même que tu m'expliques un tout petit peu. The snake approaches. Comprends pas. Comprends pas comment faire. Non, je t'ai dit, je voulais pas faire un quartier là-bas. Ah si, c'est un quartier scientifique, ça. D'accord, donc c'est celui-là qui est mal mis. Attends, c'est celui-ci. Un, deux. Par contre, je comprends pas trop où tu es, toi, donc très bien. Ok. Zou. Toi, tu bouges pas. Toi, tu vas piller une ville. Événement d'osmose. Bibract. The written word was previously available to a small, often caractère mobile. Now, knowledge and propaganda. Comportement mobile. Caractère, mauvaise traduction, caractère mobile, non? Donc que ce soit la. Ah si, d'accord, ouais. L'imprimerie, d'accord. C'est des caractères mobiles, d'accord, c'est l'imprimerie. Ça marche. On booste la science.
Et pareil, j'ai besoin que tu fasses ça vite. Pareil, toi t'es très en retard. Mais non. Comment ça se fait que tu fabriques rien à chaque fois que je te regarde? Waouh, le hameau! C'est la violence, les hameaux. Donc là, on voit rien. Go. 11, évidemment. 7, 8, donc là aussi. Et pareil, full construction. On essaye de rattraper notre retard. Partout. Bibracte. Hop là. Et je pense sincèrement, Babylone, que tu devrais aussi faire des hameaux. Alors 15, 15. Allez, ça sert à rien de foncer sur la science tant qu'on n'a pas construit nos villes, tout ce qu'on a à faire. Défiance ici. Investissement scientifique, ça par contre je veux bien. Allez, on va s'arrêter là. On a remonté d'une place. Il n'est pas dit qu'on n'arrive pas à rattraper notre retard. Petit à petit, le rose, possiblement, gagner la partie, ça sera hyper tendu. Hein. Je pense qu'il va y avoir une deuxième manche hein, à cette tentative. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite.